étudier l'expertise du fait religieux en Russie contemporaine Parce que l'espace post-soviétique représente un très bon terrain pour étudier les relations entre l'État, les acteurs religieux et les intellectuels. Après la chute de l'URSS, la doctrine de l'athéisme scientifique qui dominait le discours officiel a perdu son support étatique. La transition de l'athéisme scientifique vers la laïcité proclamée au sein du renouveau religieux islamique et orthodoxe a été accompagné par des changements de la législation et du discours public. Tous ces processus se font à travers l'expertise du religieux, qui rassemble toutes les situations où les experts du religieux, les, des chercheurs, des fonctionnaires, des avocats, euh, sont sollicités pour des consultations dispensées à des organisations religieuses et pour donner leurs avis lors de la prise de décisions politiques ou encore lors des procès judiciaires. L'étude de cette expertise nous permet de comprendre comment se fabrique la connaissance du religieux et comment se font les politiques publiques, comme par exemple dans le cas de la fondation du Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris, qui illustre ces liens entre le pouvoir laïque et les acteurs religieux en Russie. L'étude de l'expertise du religieux peut notamment éclairer ce type de structure politique. D'ailleurs, on peut voir ce centre euh, russe euh, depuis euh, les fenêtres du, de la médiathèque du musée Kébranli, où j'ai la chance de travailler et qui symbolise pour moi justement la pluralité des ethnographies contemporaines. Pour conduire cette ethnographie de l'expertise, j'ai réalisé un certain nombre de voyages de terrain euh, où j'ai fait des entretiens avec des experts et des acteurs étatiques et religieux. Euh, à Moscou dans la capitale ainsi que dans des régions euh, habitées par des populations variées. Je suis allée notamment au Daghestan et au Tatarstan, les deux régions à majorité musulmane, ce qui permet de comparer les cas de la région de la Volga et celui du Caucase du Nord. Et pour euh, analyser le cas orthodoxe, euh, je suis allée à la, à la région de Belgorod. Pour compléter mon analyse qualitative, j'ai réalisé une base de données qui me permet de reconstruire les réseaux professionnels des experts et de faire l'analyse des correspondances multiples. Ceci afin de comprendre les liens entre les fonctions des experts, leur milieu professionnel, leur formation, ainsi que le contenu de leur discours. J'ai également observé et participé aux débats des experts, à des conférences et des colloques, et j'ai enfin constitué un corpus des archives soviétiques et des écrits des experts. Un exemple plus concret de l'expertise du fait religieux, c'est bien sûr l'expertise judiciaire. Par exemple, dans le cas où euh, quelqu'un est accusé de l'insulte du sentiment religieux ou bien de mener une activité extrémiste religieuse, ce qu'on appelle dans le langage contemporain en Russie. Euh, et dans ce cas-là, euh, l'expert est invité euh, pour formuler son avis d'expert. Qui peut être utilisée par le tribunal. Alors comment cette étude contribue-t-elle à la sociologie politique des mondes post-communistes et à la sociologie de la connaissance euh, de manière générale Plusieurs études récentes mettent l'accent sur la rupture avec la période soviétique. Au niveau officiel, le rapport religieux en effet a changé de manière décisive. Après la chute de l'Union soviétique. Si à Nuresses, l'athéisme scientifique a fait partie de l'idéologie officielle, la période post-soviétique est marquée par une coopération prononcée entre l'État et les organisations religieuses, officiellement certifiées de traditionnelles. Plusieurs chercheurs ont même parlé de la désécularisation en Russie, en montrant une nouvelle cohésion entre les structures étatiques et les structures de l'Église orthodoxe. Cependant, l'analyse de l'expertise du religieux fait apparaître de multiples liens entre l'URSS et la Russie post-soviétique, dans la manière de produire la connaissance sur le religieux, mais aussi dans la gestion des politiques publiques. Cela concerne plus particulièrement le rôle de l'État et des experts dans la formulation des catégories religieuses et l'impact des approches de l'athéisme scientifique, qui prétendent donner une dimension positiviste à l'expertise du religieux ainsi que l'effort pour normaliser le savoir sur le religieux. De ce point de vue, plusieurs experts contribuent à la standardisation du religieux en Russie, ou inversement, au rejet des religions labellisées comme non traditionnelles. En même temps, l'étude atteste d'une certaine autonomie des experts par rapport à l'État, surtout au niveau régional ce qui est en contradiction avec des types d'analyses qui conçoivent l'espace russe d'abord et avant tout comme un espace autoritaire. La présente étude s'inscrit plutôt dans des approches alternatives qui mettent l'accent sur la différenciation des pratiques au sein de ces sociétés. L'analyse de l'expertise du religieux en Russie ouvre vers plusieurs horizons et peut être utilisée dans une perspective comparative. Tout d'abord, elle questionne la fabrication de la connaissance et la fonction des intellectuels dans un contexte post-communiste. Elle interroge aussi le fonctionnement des politiques religieuses et publiques, tout en analysant les processus de sécularisation et de désécularisation à la frontière du religieux et du non-religieux.